Winnie, bismillah. Regarde bien, Winnie. Hein. Ça, tu peux avoir que sur les snaps. Jamais t'auras ça. Jamais. Bon, je vais vous expliquer dans le jargon un problème de logistique. Ça veut tout dire et n'importe quoi. Bon, la réalité est que personne ne s'est pointé. Il n'y a pas eu de billets vendus. Enfin, très peu. Enfin, si. Pas du tout. Et puis, oui, bien évidemment, on ne sait pas très bien de quelle logistique ils parlent. Ils ont un coup de plateau très modeste, un coup de plateau à peut-être 5, entre 3 et 5 000 euros. Il y a un pied de micro et basta, quoi. Et basta, basta, basta. Écoutez, je vais creuser un peu plus. Je vais creuser car j'ai eu vent d'un certain stade, très étonnant. Monsieur Davidson vient de soulever là des points cruciaux. Vous n'êtes pas sans savoir que son stade a été financé, du moins une bonne partie. Reste à distribuer les places dans le bendo. Bon, plus sérieusement, Winnie, vas-y, là, je vais pas mettre de filtre ou quoi, je parle sérieusement. Je vais te donner l'heure pour la première fois. En 4-5 ans, tu dois être en train de bander. Je te donne l'heure vu que t'as pas de montre, tu mets que du falche. Vu que t'es une fantaisie, c'est Disneyland, c'est la foire du trône. Je sais même pas comment les gens, ils n'arrivent pas à voir ça. Bref, t'es KO, Winnie, en fait, t'es KO, t'es KO, t'es re-KO. Tu fais peur à personne. C'est pour ça que j'ai jamais répondu. Je t'ai jamais pris au sérieux en fait. J'ai jamais vu une réelle crainte, une réelle menace. C'est pour ça que j'ai jamais répondu. Donc arrête de dire que t'as failli nous croiser à l'aéroport, qu'on a eu de la chance, que machin, que si, que ça, la vraie vie. Y a pas de tout ça. T'as pas envie de ça au fond de toi. Tu veux pas me rencontrer. Tu veux pas de tout ça. Ça te terrorise. Ça te terrorise. T'es recroquevillé sur toi-même, dans ta petite villa, ta mini piscine Fisher Price Polly Pocket, mon frère. Donc arrête tes conneries. Ça c'est le dernier message. Y en aura plus. Il n'y en aura plus des messages. Peut-être dans 7 ans, dans 10 ans, quand tu seras encore bien, bien KO. Parce que toi, il faut que tu vives longtemps, Inch'Allah. Faut que tu aies une longue vie, toi. Faut que tu vois. Fucking go. Winnie, je le répète, tu n'as pas le mental. Ça va pas là-bas, Winnie. Ça ne va pas là-dedans. Tu ne dors pas bien, Winnie. Tu es un peureux. Tu as peur. Fragilisé. 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 T'es embêté là. Fragilisé. Allez, fragilisé. Fragilisé. Allez, fragilisé. Fragilisé. Allez, n'annule pas le festoche où il y a Vald. Hein. T'as un festoche là, il y a Vald là-bas. Il n'y a pas de problème de logistique, j'espère cette fois. Winnie. Winnie, c'est une dinguerie. Je suis sur deux stories. Snap, Instagram. Regarde comment j'accorde du temps pour toi, grande victime que t'es. Baltringue international. Écoute-moi bien. Ça, c'est les derniers snaps que tu vas voir. Je ne répondrai plus, Winnie. Parce que j'ai une vie, contrairement à toi. Je ne connais pas que la salle de sport. T'inventes des histoires, tu t'es fait agresser dans une salle de sport à Miami, je sais pas. Arrête, t'as juste fait tomber une haltère sur Watt, un truc à la con, t'es allé en profiter pour prendre une photo. Baltringue que t'es. Comme le coup de fouet, le coup de ceinture que t'as pris, ta propre ceinture Gucci qui te pèfera. Subhanallah. Ça veut dire même ça dans l'histoire des ceintures, ça doit être même une légende chez les ceintures. Les ceintures, elles doivent parler entre elles. T'es pas la ceinture Gucci, c'est une rosta. C'est moi qui ai giflé mon propriétaire. La vérité, c'est que je pense que tu pensais que j'allais être en mode fan de Watt. Je t'ai rencontré, oh, c'est Winnie, machin. Mais tu dégages rien, t'as pas de charisme. T'es pas un mec qui m'a impressionné. Tu m'as pas marqué, tu m'as pas transcendé. Je vais pas te sucer comme certains, je sais pas qui sont autour de toi, qui sont en train de te vénérer. Que t'es parce qu'ils n'ont pas encore vu le poteau rose, t'es une coquille vide, Winnie. Tu peux pas marcher seul, Winnie, t'es une coquille vide. Quand tu seras décidé à venir me voir, me chercher, je travaille publiquement, je ne me cache pas, je snap pas en différé comme toi. C'est pas je snap, après je mets un décompte à détardement, je boulette et tout, machin, après je balance le stop quand je suis à l'aéroport. Baltringue, moi. T'es une influenceuse, Winnie. J'ai juré, t'es devenue une influenceuse, en vérité. Je suis en train de ramener là. Voilà, je suis en train de ramener, t'es une influenceuse. En fait, je pense que le fait que tu n'aies pas d'emprise sur moi, ça a dû te rendre fou.
À l'époque, tu m'envoyais des messages sur off, sur la fuite. Ah là, j'ai fait ci, j'ai envoyé des petits, ils vont lui jeter des mortiers au stade. Là, 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 là. Tu voyais que j'étais pas dans ton délire, je répondais parce que je m'en bats les reins. J'étais en train de préparer MCAR. Mon cœur avait raison. 1 100 000 albums vendus, Winnie. T'es où, Winnie? T'es KO. Après, quand t'allais tourner ton vieux clip, je sais pas où en boîte, tu m'envoies un message. Ouais, je fais un clip, tu peux venir si tu veux, machin, passe, machin. Je t'ai dit, tranquille, le frérot. Et vous qui regardez ces stories-là, qui êtes friands de ce genre de story, arrêtez d'alimenter. Arrêtez de mettre de l'huile sur le feu. Il y a des familles, il y a des gens, il y a des gens vraiment blessés, il y a des innocents, il y a des gens qui n'ont rien à voir. Il y a atteinte à la dignité. Il y a plein de choses que qui vous dépassent, en fait. Quand ça va arriver dans vos foyers, là, vous allez comprendre. Arrêtez d'encourager le mal, faire des trucs. Arrêtez. Faut pas encourager ça. Maintenant, le cas de Winnie, on va s'en charger, on va s'en occuper. J'aurais pu répondre il y a bien longtemps. C'est pas une histoire de peur. S'il vous plaît, ne pensez pas que j'ai eu peur de Winnie. Wallah, ça me ferait tellement mal que si vous pensez ça. Je vous jure, c'est pas la peur. C'est le désintéressement. Je regardais seulement. Je vois une baltringue, je vois une victime que j'ai vue au studio. Gaillard comme ça. Rien, rien dans. Rien dans le caleçon. T'es zéro, Winnie. Fucking go. Fragilise-y. Tu dois certainement être en Marcel, Winnie. Tout ce que tu portes, Marcel. Ta marque, une cut KO. T'avais 2% dans la Kemar. 2% ou 5%, je sais pas quoi. KO, la Kemar. Elle est partie, je sais pas où. Ta marque, bizarre, là. T'as un logo chelou, je sais pas quoi. Déconnecté. Totalement déconnecté, ta marque. Bah, ça tombe bien, tiens. Déconnecté. Ça, c'est. Là, t'as trouvé un vrai blaze. Connecté. Alors la piraterie, ta marque de Jacadi là, Jacadi a dit petit bateau, tout ça là, s'il te plaît arrête ça, stop cette marque, voilà, s'il te plaît, là c'est un vrai conseil, t'es déguisé, on dirait un harlequin, on dirait un bonbon, on dirait un dragibus, voilà, on dirait un dragibus. Rien ne fonctionne, Mini, ça marche plus, tu dois être en train de même te poser des questions, tout ce que tu entreprends, la malédiction, t'es maudit, Mini, t'es maudit parce que t'as blasphémé. T'as blasphémé sur des grands noms, des grandes dames, des grands prophètes. Et voilà les musulmans, bah, vous êtes en train de le suivre, l'encourager là. Vous êtes maudit avec lui, hein. Moi, je me suis retiré déjà. Je regrette même d'avoir fité avec cette victime-là. Voilà, c'est le fit que je regrette. Ce fit-là, pourquoi j'ai accepté ce fit-là? Je regrette. Parce que t'es une victime. Ça veut dire que là, c'est gravé dans la roche, dans l'histoire qui me s'est la posée avec. Ça gâche ma discographie. Il va pas inventer des histoires, c'est toi qui m'as invité, hein. C'est dans ton album, à toi, donc c'est ton son à toi, que tu as voulu me faire, tu m'as fait reposer, changer le refrain, parce que le refrain était tellement lourd à la base, je t'avais tellement chicoté sur le feat, t'as pas voulu que je pose de couplet, t'as dit fais juste un refrain ça va le faire, un refrain, baltringue que t'es, gaillard comme ça au studio, j'allais te laver sur un couplet, j'allais te laver à l'eau tiède, te mettre du talc sur le cul, te talquer comme un bébé, du talc. Hein, entre les jambes pour éviter les irritations. Je t'aurais talqué le cul, mon gars. Vini, moi, je pense que tu as un grand complexe. Parce que esthétiquement, ça aurait pu le faire. Tismé, grand, machin. Mais les couilles ne vont pas avec. Tu as la panoplie, tu as les tatouages. Tu as fait l'effort de faire le tatouage ici. C'est bien, c'est vrai. OG, triple OG. Mais tu es une coquille vide, Vini. T'es une coquille vide, mon gars. T'essaies de revendiquer Sénégal, Sénégal, mais vas-y, arrête, s'il te plaît. T'as rien d'un Galsen, t'as rien d'un vrai Galsen, s'il te plaît. Moi, là, je vais au Galsen bientôt. Je vais au Galsen bientôt, Inch'Allah. Je vais voir le boss. Je suis invité par le boss. Je vais voir le boss. C'est un peuple que j'aime, c'est un peuple que je respecte. Ils m'ont toujours donné. Tu vois ce que je veux dire? Toi, arrête ça. Arrête. T'as des problèmes jusqu'à là-bas. Tu sais très bien les problèmes que t'as là-bas au Sénégal. Tes propres, tes trucs bizarres. J'ai même pas envie de entrer dans tes trucs privés, tes orientations bizarres. Tu sais quel problème t'as là-bas au Sénégal. Calme-toi. T'as rien d'un quinfri. Tu n'as rien d'un quinfri. T'es un putain d'accident. T'es zéro, Vini. T'aurais kiffé grandir peut-être au bled, machin. Vraiment, au Galsen, machin. C'est pas ça. Et sois content de ça, sois fier de ça. Nous, on a souffert. On a vraiment souffert. Et je ne veux pas que mes enfants souffrent.
Moi, j'aimerais que mes enfants, ils aient l'enfance que tu as eue. Je te jure, tu as une bête d'enfance. Là, moi, mes enfants, ils font de l'équitation. J'ai mes filles, elles font de l'équitation. J'ai un garçon aussi, il a fait de l'équitation. C'est lourd, c'est charmé. Et moi, à chaque fois, je les vois sur Valcheux, comme ça, je me dis, mais subhanallah, en fait, Winnie, c'est Winnie, ça. Subhanallah. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es parti faire le mec gang, machin. Regarde, aujourd'hui, t'es KO. T'es KO. T'es KO, Winnie. Ça n'a pas marché. Ta poudre aux yeux, elle n'a pas marché. C'est fini. Tu es démasqué, Winnie. Tu es démasqué, fucking go. Je sais pas si tu sais même aligner un mot en Wolof correctement, sans avoir l'accent de Michel Leb. Même tes pas de danse, ils sont KO. J'ai vu quelques pas de danse. Parfois, tu essaies de bouger, tu t'arrêtes parce que toi-même, tu sais que t'es pas dans les temps. T'as des vieux pas, t'es KO. Winnie, t'es instable. Même spirituellement, t'es instable. Ça se voit. T'étais musulman quand t'étais en mode lunatique. Après, t'es devenu gothique, je sais pas quoi. T'es devenu machin. T'es un poney, deux poneys, un biscotte, un cheval. Voilà, c'est une dinguerie. Et aujourd'hui, t'es en mode révolutionnaire. Tu te prends pour Renault, tu te prends pour je sais pas qui. T'es que dalle, en fait. Il faut que tu saches ça. Tu ne partiras pas en Tupac. Ça n'est pas possible. Et il n'y a pas d'octogone de je sais pas quoi, là. Tu viens directement où je suis. Si tu veux me trouver, c'est toi qui veux, non? Viens me trouver. Les gens, vous n'allez pas dépenser d'argent. Vous n'allez pas payer des places d'octogone. Ça sera gratuit dans la street avec l'odeur du bitume une fois que la pluie elle a bien tapé le sol. C'est là qu'on va se voir unis. Arrête tes fantaisies. Arrête. T'as rien dans les. T'as pas de couilles, Winnie. T'as pas de couilles. Excusez-moi le terme. Tu n'as pas de couilles, Winnie. Tu t'es forgé une carapace. Il n'y a que toi qui crois à ce truc-là avec tes vieux partisans de petits bateaux, là. Des pirates des Caraïbes, là, je sais pas quoi. Je suis en concert à Sion. Je crois que c'est un festival en Suisse avec la section. J'y suis, je crois, le 16. Si je ne me trompe pas. Le 16 ou le 17 par là. J'ai pas les dates en tête. Donc, Winnie, tu as les dates. Je suis là-bas. Suisse, c'est un pays, tu connais. Les Suisses, ils sont neutres. Ils ont traversé toutes les guerres. Tout se passe bien. Viens en Suisse. J'ai d'autres dates encore. Je vais regarder. C'est public. Tout le monde peut voir. Viens. Faisons pas de grands trucs. On va faire ci, on va faire ça, machin. On va organiser ça. Et puis de ça, ça veut dire que j'ai même pas rentré dans ça. Ce que Carteron, il t'a fait, toi. C'est là que je vais remonter une grande bataille. Vous avez la même taille. Tu peux l'affronter. Ça veut dire que sur un ring, là, Carteron, vous avez le même poids. Tu peux y aller. Ouais, je te fais 2 mètres. Le mec, il est arrivé avec un haut-parleur, avec une trottinette devant TPMP. Tu t'es cake dessus. Ça veut dire qu'on regardait TPMP, on pouvait lire. Ça veut dire l'effroi sur ton visage. Ça veut dire que c'était terrible. C'était terrible. Et vous avez jamais remarqué un truc? Winnie, quand il clash, il fait que d'écrire, en fait. Parce qu'il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise avec la caméra. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas sûr de lui. Dans ses yeux, elle a peur. T'es un bouffon, Winnie. Fais au moins des stories comme moi, là. Parle en direct comme ça. Arrête d'écrire. Bon, fin de story. Résumé. Winnie, t'es KO. T'es une demeure. T'as pas de couilles. Tu snaps en différé. Tu snaps en différé. Grand baltringue, grand bolos. T'attends d'être à Miami pour envoyer les snaps quand t'étais à Panama. T'es pas un vrai Quinfri, je suis un vrai Quinfri. T'es dégoûté de ton enfance parce qu'il y a Pimprenelle et Biscotte qui te collent au cul, t'en peux plus. Laissez ton enfance, mon gars. Donc voilà, résumé, t'es KO, Vini. Tu sais où me trouver, je travaille publiquement. Arrête ton cinéma. Tu veux boire ce bon vieux Ouara? Je suis en France, je suis partout. Même Miami là-bas, je vais arriver. Je vais arriver. Story. Ah, Jeff, quand diamant, Jeff. Historique et incompris, tu pars de moi, tu fais ma pub, archiduc, prends des ailes sans voix, de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. T'es pas ici, m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon ego, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non, pas des zéros.